Merci Frédéric Tournier. En tout cas, on va donc appeler les trois personnes qui vont réagir finalement à ce spectacle. Tout d'abord, nous avons Tristan Berger qui a accepté de venir donner son avis sur cette réalisation. Donc, il est doctorant en droit à l'Institut des sciences de la communication du CNRS et de l'UMR de droit comparé. Il y a également Dominique Zelijewski qui travaille à Génopole, qui a, j'ai vu, pris des notes très abondantes pendant la représentation. Et puis Jean Weissenbach, qui est chercheur spécialisé en génomique qu'on ne présente plus. Voilà. Alors, tout d'abord, donc on a vu que les thématiques abordées étaient très nombreuses. Hein. Finalement, on brossait les questions. On va s'installer. Il nous en manque une. Bon, ben, asseyez-vous. Donc, on a vu qu'on passait donc beaucoup de thématiques qui étaient évoquées, aussi bien les mots un peu magiques de progrès et d'innovation, les questions de financement, les promesses aussi de la biologie de synthèse, et puis tout ce qui concerne les pressions, la concurrence, les questions de droit international et évidemment l'épineuse question de vouloir modifier l'être humain. Donc, je donne la parole tout d'abord à Dominique Zelijewski. Alors, qu'avez-vous pensé de cette représentation ? Merci. Écoutez, j'ai trouvé qu'elle abordait effectivement beaucoup de sujets intéressants, les étudiants étaient extrêmement bien documentés, avec un texte un très intéressant. Et, pour l'instant, avec quelques petite réaction, c'est-à-dire que les chercheurs sont un petit peu vus comme des gens cool, sans morale, mais bon, il y avait beaucoup de choses intéressantes, vraiment. Beaucoup de choses à discuter. Bon, très bien. Alors, on a vu évidemment la facette, pas forcément la plus reluisante, hein, de la biologie de synthèse. C'est sans doute très intéressant d'avoir l'avis de Tristan Berger, qui est quand même spécialisé sur la question du juridique, qui a été beaucoup évoqué durant cette représentation. Merci. Donc, moi j'ai bien apprécié, puis j'ai beaucoup ri aussi, donc c'est important. Oui, j'ai noté plusieurs choses. Ce qui était intéressant, d'abord, ce que j'ai trouvé, c'est les aspects qui sont soulevés. Donc, on a des éléments sur le lobbying avec le député maire qui subit des influences, etc., des questions de financement, des questions de propriété. Après, moi, sur mon domaine, parce que bon, je suis pas biologiste, hein, je travaille sur l'accès à l'information environnementale. Si on rentre dans le détail, en fait, il y a de la réglementation qui existe, mais effectivement, il n'y a pas de texte spécifique à la biologie de synthèse. Et du coup, il y a eu un texte, il y a eu une recommandation européenne qui est parue sur le sujet, où ils disent que ce qu'ils trouvent à s'appliquer, en fait, c'est quand la biologie de synthèse, elle va s'appliquer à des OGM ou des substances chimiques ou des médicaments, enfin des produits pharmaceutiques au sens large. Là, à ce moment-là, c'est ces réglementations-là qui s'appliquent. Donc, en fait, ce n'est pas un vide. Mais en l'occurrence, c'est vrai que sur certaines questions, il y aurait peut-être besoin d'aller adapter les standards qui ne correspondent pas exactement à ce type de technologie-là. Voilà pour ces aspects-là. Voilà. Jean Weissenbach, est-ce que vous trouviez les controverses réalistes ? Oui, je pense qu'effectivement, merci de me donner la parole. Je pense qu'effectivement, les controverses sont réalistes, probablement un peu en avance sur l'état de la technologie, mais j'avais une remarque générale. Quand j'ai vu donc ce spectacle, j'ai vraiment pensé à Dürrenmatt à l'époque où donc c'était dans les années 50 où on n'avait pas peur de la biologie, on avait peur de la physique pour des raisons qu'on connaît tous bien. Donc en fait Dürrenmatt était très caricatural lui aussi. Et donc effectivement il y a un côté caricatural, mais c'est normal, c'est du théâtre. Donc je crois que lorsqu'on veut faire passer un message, on est toujours caricatural. Alors je rejoins aussi ce qui vient d'être dit sur la législation. Sur ce point-là, effectivement, il y a une législation qui est celle qui s'applique pour le génie génétique, parce que ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est du génie génétique. Et donc on n'a pas pour le moment de nécessité d'avoir un cadre juridique différent de celui qui existe. Voilà. Mais il y a des choses qui se profilent, effectivement. Alors, on a parlé de CRISPR-Cas9,
qui effectivement, là, il y a des débats très importants aujourd'hui sur le fait qu'on est techniquement en mesure de modifier le génome humain sur des embryons. C'est tout à fait vrai, ça a été même tenté sur des souris en Chine, avec ils ont des résultats qui sont quand même pas un peu inquiétants. Voilà. Mais enfin, je pense qu'on reparlera de tout ça dans la suite. Je me permets d'insister justement, parce que vous-même, en tant que chercheur, est-ce qu'il y a, voilà, il y a des frontières où vous considérez qu'on commence à approcher des choses un peu inquiétantes? Et puis, comme vous le dites, c'est des expérimentations qui ont été faites en Chine, donc ce qui signifie que même quand on interdit des choses d'un côté occidental de la planète, de l'autre côté, on ouvre en quelque sorte les portes par défaut. Je ne sais pas si les expériences en question n'auraient pas été possibles ailleurs qu'en Chine. Je pense qu'elles auraient pu être faites. C'est, encore une fois, c'est sur des souris. C'est, donc, voilà. Maintenant, je pense qu'il y a certainement un certain nombre d'autres points qui sont aussi, disons, plus pour l'instant science-fiction qu'autre chose. On pourra peut-être les passer en revue au fur et à mesure de la discussion. Un petit mot sur le droit international et ses disparités, peut-être le fait que ça ouvre les déséquilibres, finalement, représente une porte ouverte. Ben, il y a deux volets de questions. Il y a un volet de questions sur lequel je suis un peu moins spécialiste, qui est... quelles recherches on peut mener et dans quelles conditions. Donc ça, c'est le volet qui est soulevé avec la partie on va faire de la recherche en Russie pour, entre guillemets, contourner. Mais en fait, on ne contourne pas vraiment, on va juste faire des recherches en Russie conformément au droit russe, quelque part, qui, effectivement, a des standards différents, qui ne sont pas toujours plus faibles. Enfin, c'est vraiment, il faut regarder les choses au cas par cas. Les questions, elles vont se poser dans des termes différents. Après, il y a une deuxième question, c'est qu'un industriel qui fait sa recherche et qui découvre un produit, enfin une potentielle application commerciale dans un domaine, encore faut-il qu'il puisse le commercialiser, son produit. Et ce n'est pas parce qu'il a réussi à développer un produit en Russie qu'il va pouvoir le commercialiser sur le marché de l'Union européenne. Même si ça peut être très compliqué, il y a un certain nombre de produits qui sont autorisés aux États-Unis, par exemple, qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne. Donc la question, elle se passe en deux volets, et si effectivement on peut aller faire des recherches ailleurs, la perspective de l'industriel, c'est quand même avant tout de commercialiser, sinon il ne fait pas de bénéfice. Donc je pense que c'est important d'avoir ces deux volets en tête. Et vous, alors, en travaillant à Genopol, j'imagine les gens que vous connaissez à l'extérieur doivent aussi vous poser des questions à la fois pleines d'espoir et de peur aussi, d'inquiétude, qui doivent rejoindre celle de cette représentation. Oui, en fait, pour l'instant, de la part, on va dire, de la société, enfin, c'est-à-dire de la société civile, je crois que c'est surtout, pour l'instant, ce sont surtout des associations qui se posent beaucoup de questions, qui interagissent avec les chercheurs. Il y a des débats avec eux et il y a des controverses. Le grand public, pour l'instant, je ne suis pas sûre, en fait, qu'il soit encore bien... comment dire, au courant des applications potentielles de la biologie de synthèse, en fait, et qui est le moindre débat à ce niveau-là. Donc, un des points qui était souligné, justement, c'était aussi la pression de la concurrence dans la recherche. On voyait que les personnes étaient poussées à repousser à chaque fois les limites un peu plus. Je voulais juste prolonger ce qui vient d'être dit à propos de la biologie de synthèse et du fait que le public n'est pas sensibilisé. Il y a quand même eu dans le spectacle ce fameux arbre luminescent qui est plus un OGM très traditionnel que de la biologie de synthèse. Enfin, encore que je ne connais pas de différence entre, disons, ce qu'on fait aujourd'hui en termes de génie génétique et d'organismes génétiquement modifiés et ce qu'on est capable de faire en matière de biologie de synthèse pour l'instant. Mais je pense qu'effectivement, cet arbre luminescent, ça rejoint effectivement un autre point que vous avez souligné, qui est, mais est-ce qu'il y a un marché pour l'arbre luminescent? Je n'en sais rien. Je pense pas... je ne pense pas que c'est... Enfin,
lorsqu'on regarde ce qui a été effectivement fait en matière de spectaculaire en matière de biologie de synthèse, c'est notamment issu de ce fameux concours iGEM où ça a quand même un côté ludique, effectivement. Bon, il y a le côté c'est cool dont on a entendu parler, mais bon, avec des bactéries qui clignotent ou qui sentent la banane. Ce qui est effectivement ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas, on pourra peut-être vendre des bactéries qui sentent la banane. Peut-être là, il y a un marché fantastique, j'en sais rien. Je ne pense pas non plus. D'autant plus que c'est quand même, et ça a été mentionné, c'est les travaux qui coûtent de l'argent. Le problème de l'argent est un très gros problème. Est-ce qu'aujourd'hui, les chercheurs sont prêts à se vendre pour pouvoir satisfaire leur curiosité scientifique? Globalement, je ne pense pas. Il y a certainement toujours des cinglés, et ça nous ramène à Dürrenmatt, hein, où il y a un cinglé qui veut devenir maître du monde. Quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et j'aurais tendance à dire qu'ils sont quand même sous contrôle aujourd'hui. Mais bon, je peux me tromper. Oui, alors vous évoquiez justement ce groupe iGEM, qui sont en fait des jeunes ingénieurs qui utilisent un peu la biologie de synthèse comme des Legos. D'ailleurs, la métaphore a été évoquée, c'est-à-dire c'est les briques du vivant où on va tester telle ou telle séquence du génome, on va les assembler et on va voir ce que ça donne. Et ça donne des choses assez surprenantes, des organismes qui brillent ou des souris qui tournent tout le temps à gauche parce qu'on a changé quelque chose dans leur cerveau. Mais il y a le côté ludique, mais il y a aussi le côté très inquiétant où on frôle les questions quand même de l'éthique et de ce rapport au vivant, d'un peu de fabriquer des machines vivantes. Et ça peut quand même être une source d'inquiétude et de questionnement. Alors le débat machine vivante, c'est un vrai débat, mais ne sommes-nous pas des machines vivantes, déjà aujourd'hui ? Instrumentalisées, oui, effectivement, mais bon, le côté... Aujourd'hui, il y a plein d'organismes vivants qui sont instrumentalisés depuis très longtemps, depuis que l'agriculture existe. Donc, est-ce que ça fait 10 000 ans que l'homme est sur une mauvaise pente ? C'est possible, et elle est juste en train de s'accélérer à ce moment-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. Je propose qu'on donne la parole au public maintenant, vous voulez bien. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Voilà, si vous avez... Et pour nos collègues référents et pour aussi peut-être les étudiants. Qui est-ce qui veut commencer, qui veut démarrer ? Monsieur François. À un moment, il était dit dans la pièce qu'il y avait une absence de réglementation totale, surtout sur ce qui était humain. Alors, il y a un personnage qui a dit si on peut faire des choses sur les humains, ils diront rien. Je pense pas que ce soit le cas et j'aimerais si quelqu'un sait un peu plus là-dessus. Oui, donc si j'ai sur la question sur les réglementations sur des essais sur des cellules humaines ou des personnes humaines. Bon, moi, je m'aventurerai pas jusqu'au bout parce que c'est vraiment un champ de spécialité à part entière. Mais là, effectivement, il y a un cadre réglementaire assez précis et développé depuis un certain temps déjà. Puis il y a des comités d'éthique dans tous les labos et à chaque fois qu'on veut faire des essais particuliers, il faut solliciter l'avis du comité d'éthique. Il y a des procédures un peu complexes. Mais bon, après là, j'ai saisi que le thème, c'était justement d'aller faire de la recherche en Russie. Alors après, est-ce que le cadre réglementaire russe, il a une réputation un peu dans l'image publique d'être souple. Est-ce qu'il l'est vraiment ? Bon, je ne suis pas spécialiste du droit russe non plus, mais j'avais travaillé sur le droit animal russe et j'ai souvenir qu'il n'était pas forcément si souple que ça, en tout cas pour ce domaine-là. Je pense qu'il y a des pays qui ont un cadre réglementaire beaucoup plus souple pour faire des expériences beaucoup plus tordues que la Russie, hein, si on veut... Un paradis fiscal, par exemple. Piotr, tu veux répondre sur le choix de la Russie ? Avec l'accent ? Non, sans l'accent, ça sera mieux.
Pour le choix de la Russie, je sais pas trop. Je pense que parce qu'on pouvait taper dessus, ça restait dans le politiquement correct et c'était pas très grave. Les Russes, je suis pas sûr qu'il y ait des Russes dans la salle. S'il y en a, je suis désolé. Hein. Mais a priori, en disant que les Russes sont des méchants, tout le monde va dire bon d'accord vu ce qui se passe actuellement dans le dans la politique. Mais après, pour ce qui est du droit, nous, ce qu'on a vu en fait, moi, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sur la technique de CRISPR-Cas9. C'est une publication chinoise qu'on a trouvée, mais faite sur des embryons humains, là par contre. Elle n'a pas été publiée, tous les magazines scientifiques ont refusé de la publier pour des raisons éthiques, mais elle a fini par apparaître sur un petit site chinois, et nous on a fini par pouvoir y accéder et la lire. Et donc, oui voilà, on parle chinois couramment, il faut le savoir. Et donc, bon, j'aurais pu faire le chinois, mais... C'était plus rigolo aux Russes. Une autre question ? Bonjour. L'idée de l'arbre luminescent ne vient pas des poissons rouges luminescents que les Taïwanais ont sortis depuis 10 ans et sur le marché. Ça existe. Les poissons rouges luminescents, c'est ça, hein ? Voilà. Et que dire où est la biosynthèse si vous transformez un chien pour faire une race d'Aktak? Est-ce que c'est la biosynthèse ou c'est une sorte de trifouillage de génome ou de race ou de n'importe quoi? Voilà, c'est tout. C'est la même chose. C'est la même chose. Enfin, la biologie de synthèse aujourd'hui, ça reste du bricolage, hein, parce qu'on ne sait pas faire mieux. Maintenant, oui, effectivement, cette histoire de poisson rouge et luminescent, ça existe, c'est vrai. Vous pensez qu'ils ont fait fortune, les gens qui vendent ça ? Oui. Bon. Non, oui, non, Taïwanais et quelques rares... riche collectionneur pour l'amener aux États-Unis. J'ai rencontré une famille qui a été invitée une fois à venir admirer un petit boucan de poisson rouge. Bon, il n'est plus rouge. Il est luminescent, on éteint tout et puis ça s'éclaire. Et vraiment, c'est quelque chose, et vivant. Il mange, il fait tout, quoi, mais luminescent. Voilà. Alors, on peut très bien, à ce moment-là, rendre l'homme luminescent. Tous les petits voleurs, on les rend luminescents, comme ça ne vont plus la nuit. Pourquoi pas ? Mais ils ont certainement gagné de l'argent. Je sais pas trop quelle ampleur, je veux dire. Mais la perspective, voilà, à la base, je suis issu d'une formation justement en droit de la santé pour les industries de santé. Et je vois assez bien la perspective d'un industriel, c'est d'avoir le marché le plus large possible, en fait, pour pouvoir faire les profits les plus intéressants possibles, surtout que quand on se lance dans de la recherche, qu'on investit, on n'est pas sûr des résultats qu'on va obtenir, on n'est pas sûr que notre poisson, à la fin, il sera vraiment fluorescent. Et du coup, s'ils n'ont pas accès au marché de l'Union européenne, s'ils n'ont pas accès au marché, il y a un marché de 16 pays, Centrafrique aussi, il y a un accord commercial, s'ils n'ont pas accès à des gros marchés comme ça, développer un produit pour quelques pays, ça a un intérêt, mais c'est un intérêt commercial qui n'est pas énorme. Le but du jeu, pour eux, c'est quand même d'avoir le plus de consommateurs possible. Quoi. La Chine, ça fait quand même un marché de 1 milliard et quart d'habitants, donc ça suffit comme pays. non, mais je ne sais pas si ça fait un seul pays, là. Donc, voilà. Et alors justement, à part les poissons luminescents, quelles sont les applications vraiment directes de la biologie de synthèse qu'on a vraiment réussi à mettre en avant ? Il n'y en a pas beaucoup. Alors il y a des choses, on peut discuter si c'est de la biologie de synthèse ou si c'est du génie génétique amélioré. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors il y a par exemple il y a un prix Nobel qui vient d'être décerné pour la découverte de l'artémisinine qui est un antimalarique
qui a été, alors c'est indépendant du prix Nobel, hein, qui a été, disons, dont la voie de synthèse a été introduite dans des micro-organismes, et par une société américaine financée par Bill Gates, et cette, donc, ce qui produit cette drogue antimalarique. Alors on peut en parler un tout petit peu. C'est en fait la société qui exploite ça, c'est Sanofi, avec une toute petite unité de production en Italie, qui produit des quantités extrêmement faibles, quelques tonnes. Et c'est en fait juste pour réguler un marché de production qui, lui, est un marché dans la région du sud-est asiatique où il y a des producteurs d'artémisinine, mais à partir des plantes, donc l'armoise locale, qui produit effectivement cette substance antimalarique. Ça, c'est un exemple. Alors, bon, là, les productions à partir des plantes sont extrêmement fluctuantes, donc pour stabiliser le marché, et bon, Sanofi est allé là-dedans sur la pointe des pieds, je dirais, c'est donc produit des très petites quantités pour que disons, les petits producteurs ne soient pas ruinés du jour au lendemain par la production d'artémisinine par une grosse société industrielle. Il y a un deuxième produit qui, lui, est vraiment très français. Exactement au même moment où le groupe de Jay Kisling faisait produire d'artémisinine par les bactéries, une société, enfin toujours Sanofi, en collaboration avec un laboratoire académique, a fait produire de l'hydrocortisone par la levure. Et ceci a un intérêt parce que bon, la production d'hydrocortisone, quelque chose d'assez compliqué. En fait, on part aujourd'hui de phytostéroïdes qu'on modifie soit chimiquement, soit par des méthodes, disons, semi-biologiques. Donc, c'est des espèces de semi-synthèses pour faire tous les produits enfin, dérivés des stéroïdes, dont l'hydrocortisone. Et donc là, il s'agit effectivement de produire de l'hydrocortisone en grosse quantité, et ça permet aujourd'hui de faire fonctionner une unité de fermentation en France. Il ne faut pas oublier que toute l'industrie de la fermentation, alors quand je parle de fermentation, là ce sont des cultures de micro-organismes en grands fermenteurs, toute cette industrie en Europe n'existe plus. Tout a migré dans les pays en voie de développement parce que ça nécessite pas mal de main-d'œuvre et donc c'est moins cher là-bas. Et donc là, bon, c'est une espèce de redémarrage d'une production, disons, dans un pays développé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que bon, la première publication donc, qui arrive à faire une souche produisant de l'hydrocortisone, ça a été fait en 2003. Nous sommes aujourd'hui en 2015, et ce n'est que maintenant, donc 12 ans après, que la société Sanofi a réussi à mettre au point une souche capable de produire industriellement en quantité suffisante. Enfin, il y a des prix, disons, permettant de concurrencer les autres moyens de production d'hydrocortisone. Alors, à côté de ça, il y a aussi... moi, je ne savais pas ce que Biolux allait être. Hein, j'étais très intéressé. Il y a un procédé qui s'appelle Arsolux, qui n'a rien à voir avec Biolux, je vous rassure, qui, là, consiste à avoir un système dans une bactérie qui permet de détecter des contaminations en arsenic dans l'eau douce faite pour la consommation humaine et aussi par un système luminescent. Ça, c'est, disons, quelques applications qui existent aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de perspectives très prometteuses dans tout ce qui concerne la production d'énergie, les carburants et l'énergie directement. Alors, il faut se faire aucune illusion. Les biocarburants, on en fera peut-être un tout petit peu, mais ça ne remplacera jamais le pétrole et les sources d'énergie existantes. Ce qu'il faudra faire, c'est trouver d'autres sources d'énergie, mais ce n'est certainement pas le vivant qui va produire l'énergie qui nous manque. Lorsqu'on songe au rendement énergétique de la photosynthèse, par rapport à la quantité d'énergie lumineuse reçue et la quantité qu'on arrive à récupérer sous forme, disons, intéressante chimiquement, c'est 1,5%. C'est-à-dire, c'est vraiment rien. Le photovoltaïque, ça marche
10 fois mieux aujourd'hui, et ça marchera sans doute 20 fois mieux dans pas longtemps. Donc de toute façon, si on veut utiliser du bio pour faire de l'énergie, je pense qu'on fera tout à fait autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Certainement pas avec la photosynthèse. Une question peut-être dans le public pour les étudiants ou les intervenants. Ah, j'en vois deux, trois. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à un aspect, j'avais l'impression qu'il avait été pas mal soulevé par la pièce. C'était le fait que les problèmes n'étaient peut-être pas juste des problèmes de délire individuel d'un chercheur, d'un docteur fol amour qui s'envolerait tout seul, mais peut-être des problèmes de logique d'engrenage où à un moment donné, on ne sait plus comment arrêter parce que tout le monde est trop intéressé par le développement d'un produit. Et du coup, je me demandais si au niveau de la recherche, par exemple quand il y a un projet qui émerge, s'il y a des moments en fait en amont qui sont réservés à une réflexion sur justement comment on gardera du recul sur le rapport éthique au produit qui va être développé ou à l'innovation qui va être recherchée. Est-ce qu'on arrive à avoir du coup des démarches collectives pour prendre du recul sur ces logiques d'engrenage? Et l'autre question, c'était par rapport du coup au journalisme, de savoir si dans le milieu du journalisme, il y a des problèmes de dépendance dans le journalisme scientifique. Est-ce qu'il y aurait des problèmes de dépendance par rapport au monde de la recherche lui-même, des dépendances financières, dépendances de réseau, qui fait que du coup le travail critique serait aussi peut-être difficile? Voilà, donc c'est par rapport à ces questions sur les effets d'engrenage. Bon, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le personnage du journaliste scientifique dans la pièce, je dois préciser. Pour la dernière partie de la question, en tout cas, les journalistes sont rarement indépendants, puisqu'ils ont forcément... Bon, maintenant, avec Internet, ça commence un petit peu à évoluer, mais pour les médias traditionnels, on a vraiment des rédactions qui sont... Pour la France, en plus, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, soit c'est le privé qui est financé par les industriels directement, ou bien le privé qui est directement financé par l'État. Et que ce soit des pressions directes ou indirectes, évidemment, tout le monde sait qu'il y a des sujets qui fâchent. Et quand les gens commencent à les aborder, ils vont avoir des précautions ou peut-être parfois de l'autocensure ou une espèce de consensus qui fait que les gens vont éviter de poser des questions qui fâchent. C'est pour ça que les lanceurs d'alerte aujourd'hui sont vraiment jouent un rôle vraiment central, parce que c'est surtout avec la loi qui a été votée qui les protège, qui permet vraiment qu'ils ne soient pas en plus les premières victimes des choses qu'ils dénoncent. Et c'est ce que disait madame, on a aussi quand même des associations, des ONG, des militants. Je pense principalement en France à Sciences Citoyennes et à Pièces et Mains d'œuvre, alors qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes d'expression, mais qui essayent, parfois certains ont eu des déboires, parce qu'effectivement ils ont des méthodes qui vont être plus ou moins rentre-dedans ou provocatrices, où ils vont vouloir mettre du désordre, mais pour poser des questions justement de fond que personne ne pose. Là on parle de biologie de synthèse, donc c'est des sujets extrêmement pointus. Et sinon, il y a aussi la possibilité, malheureusement on n'a pas eu forcément la possibilité d'avoir un philosophe ce soir, mais je pense aux travaux de Bernadette Benso de Vincent, qui a écrit un livre avec Dorothée Brouwer qui s'appelle Fabriquer le vivant, et qui au publié au Seuil, qui reste une référence quand même, où elle pose toutes un peu les questions quand même qui ont été évoquées par la pièce, c'est-à-dire les pressions éthiques, la course au progrès qui est un petit peu une sorte d'obligation. Les gens peuvent difficilement se soustraire de ces questions-là. Les mots innovation qui ouvrent des financements, alors que
Bon, a priori, la recherche, ça a été toujours le principe de chercher des choses nouvelles, évidemment. C'est bizarre de vouloir d'un coup inventer le mot innovation pour parler du travail des chercheurs. Donc, elle dénonce ça, elle appelle ça le techno-buzz. Elle dénonce un peu ce processus. Et elle différencie aussi les problèmes des lobbies. D'ailleurs, c'était très bien qu'il y ait un lobbyiste qui soit représenté dans la pièce. La question des lobbies, directement, et puis la question ces pressions de la concurrence, mais aussi les questions éthiques, puisque finalement, qui est légitime pour poser les questions éthiques? On parlait des travaux sur l'embryon, on sait que ce sont finalement des institutions religieuses qui se sont manifestées les premières et qui ont s'est retrouvées dans des bras de fer un peu étonnants. Mais est-ce que les religions seraient les seules détentrices des questions d'éthique? Pas forcément. On peut très bien être athée et se dire oui, mais enfin quand même le génome humain, voilà. C'est toujours des questions très profondes et tout le monde navigue un peu à vue et c'est pas toujours évident de poser les questions de manière frontale puisque tout le monde est quand même plus ou moins interdépendant. Oui, juste à propos de ces controverses, donc tout ce que dit Madame Binsaud, les pressions, le lobbying, tout ça. Enfin, je conteste absolument pas. La seule chose, c'est que je voudrais rajouter que c'est pas forcément. Enfin, beaucoup de ces questions ne sont pas spécifiques de la biologie de synthèse, en fait. Elles sont pas du tout nouvelles. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Si ce n'est que la biologie de synthèse a un potentiel énorme. Enfin, voilà, on parle de potentiel énorme de la biologie de synthèse, donc ça impressionne. Mais il y a des questions qui sont pas du tout nouvelles. Oui, c'est vrai qu'après, la question de la liberté de la presse sur des questions scientifiques déborde largement la question de la biologie de synthèse. Alors, moi, je voudrais bien rebondir sur un ou deux points, parce que là, on tape sur des trucs qui me passionnent un peu. Donc, il y a deux ou trois choses. Donc, sur la question du... Je commence par une petite question. Enfin, sur la question du financement des journalismes et de leur indépendance. Là, c'est dommage qu'il n'y ait pas des collègues de mon laboratoire, parce qu'il y a beaucoup de sociologues qui travaillent spécifiquement là-dessus. Et on a un exemple qui est assez intéressant quand le scandale du tabac a été révélé aux États-Unis avec les Tobacco Documents. Je crois que c'est en 92 le procès. À ce moment-là, donc, le vice-président de la section toxicologique de Brown & Williamson, qui a dénoncé le fait qu'on savait que le tabac avait un effet cancérigène, il s'est mis en contact avec un journaliste. Et le journaliste travaillait pour la CNN, si je me souviens bien, qui elle-même était essentiellement détenue par l'industrie du tabac. Et donc, du coup, le reportage a été censuré, mais finalement, il a été publié dans le New York Times. Donc, pour le petit élément historique, et ça, évidemment, c'est une problématique qui se retrouve aujourd'hui, puisqu'il y a des questions de financement qui sont assez délicates. Bon, néanmoins, ça, c'est un point sur lequel je suis assez optimiste. Quand je lis, par exemple, il y a quelques semaines de ça, un article de Stéphane Foucard dans Le Monde, où il dénonce justement les potentiels effets de la négociation des accords transatlantiques avec les États-Unis sur des réglementations en cours sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, j'ai lu certains articles de Sylvestre Huet aussi. Je pense qu'il y a quand même un journaliste scientifique que je trouve assez actif pour notre pays, également en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis particulièrement. Ensuite, un point sur lequel je suis un peu plus sceptique, c'est celui de la condition des lanceurs d'alerte. Parce qu'effectivement, il y a des évolutions juridiques notables à ce niveau-là. Bon, il y a des évolutions juridiques sur la condition du lanceur d'alerte, mais dans le même temps, il y a une directive en cours de négociation sur le secret d'affaires, et dans le même temps, on a pénalisé ce qu'on appelle l'accès frauduleux aux données. Donc, en fait, c'est des éléments qui vont faire que le lanceur d'alerte, ça va être assez difficile pour lui, justement, de lancer une alerte, sur, comme on a pu voir dans la pièce, je crois que c'était une scientifique... tout en bas de l'échelle qui se faire exploser à peu près. C'est une condition délicate parce que dans un certain nombre de situations, il va être difficile d'aller dénoncer un élément, une information par exemple scientifique qu'on aurait sur le risque d'un produit en développement sans commettre un délit pénal. Et sur ce terrain-là, il y a vraiment des négociations en cours et un lobbying important. D'ailleurs, je souligne, le lobbying, c'est pas uniquement un lobbying industriel. C'est-à-dire que c'est un peu l'image qu'on en a. Et les ONG font également du lobbying, en fait. Mais avec des moyens financiers moins importants, etc. Mais la notion de lobby, ça recouvre pas uniquement le secteur industriel.
Et le dernier point que je voulais soulever, c'était sur la question éthique. Parce que quand on lit les travaux, par exemple, du Comité national consultatif d'éthique ou d'un certain nombre de comités d'éthique ou de chercheurs, la définition de l'éthique, c'est une définition qui est par rapport à une vision de la société et par rapport à une vision pluridisciplinaire. C'est pas un champ, en tout cas en France, c'est pas un champ qui est approprié par quelques philosophes ou quelques religieux. Il y a vraiment une ambition en fait d'en faire un sujet à la fois qui touche toutes les spécialités et aussi un sujet social. Voilà. C'est-à-dire l'embryon, la question de modifier un génome d'embryon rentre bien dans ces questions d'éthique. D'accord. Peut-être un petit mot, non ? D'accord. Là, j'ai une question ici. Il y avait ici. D'autres questions, oui. Si. Bonjour. vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'aspects de la pièce qui relevaient de la science-fiction. Et au final, on a abordé quand même des manipulations sur les bactéries, sur les souris. Je sais qu'à Évry, il y a une équipe IGM qui a travaillé sur une grenouille. Voilà. Et même, on parle d'embryon humain. Donc, on voit que les limitations, elles se limitent plus haut à ces châssis-là, à ces espèces. Donc, où est-ce qu'elles se situent aujourd'hui, les limitations en matière de manipulation ? En principe, dès que vous faites de l'ADN recombinant, vous avez à faire une déclaration. Alors, je ne sais pas ce qui a été fait pour iGEM. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir si les déclarations ont été faites correctement. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a une législation et de toute façon, sur l'embryon humain, il est absolument impossible de travailler. Hein, c'est très clair. Toutes les problèmes de cellules souches, par exemple, qui sont récurrents, où il y a la législation qui est plus permissive dans d'autres pays qu'en France, mais c'est extrêmement réglementé. Vous ne pouvez pas du tout faire... Essentiellement législatif, pas scientifique. C'est législatif, d'accord. Absolument. Okay. Par exemple, une année, là, pour iGEM, ceux qui avaient gagné avaient fait des expérimentations sur des embryons de grenouilles qu'ils avaient rendues luminescentes, etc. Et c'était étrange parce que justement, ils avaient un conseiller éthique, un philosophe qui était étudiant lui aussi, qui était censé réguler un peu leurs recherches. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, les ingénieurs, quand ils ont présenté leurs recherches, ils étaient hyper fiers d'expliquer qu'ils avaient profité d'un vide juridique pour travailler sur des embryons de grenouilles de moins de 8 jours, etc. Parce qu'en fait, dès qu'elles avaient, enfin, je ne sais plus exactement les délais, mais alors du coup, ils étaient très contents d'avoir trouvé une lacune dans le droit qui leur permettait de bricoler des choses qu'ils n'auraient pas pu faire sur une autre espèce. Mais c'était quand même un peu étrange comme fierté, quoi. Voilà. Sur le même sujet, je trouverais intéressant d'avoir le témoignage de plusieurs étudiants, parce que le personnage de Daniel, je pense, enfin moi je l'ai compris comme ça, était largement inspiré de jeunes gens, il y en a peut-être parmi nous, qui travaillent dans les équipes iGEM. Hein, c'est trop cool. Ça, on l'a entendu quand même des dizaines de fois. Ils ne l'ont pas inventé. Oui, en fait, on a fait pas mal de recherches avant de faire la pièce. Et on est allé rencontrer des étudiants du concours iGEM qui sont sur Paris. Et en fait, la première chose qu'ils nous ont dit quand on leur a posé la question « Et vous, quel est votre projet ?» c'était « On va changer le monde ». Donc en fait, leur but, c'était de créer des bactéries modifiées qui, lors de la fermentation de certains produits, produisent des vitamines pour aider, par exemple, contre la malnutrition en Inde. C'était leur but, de créer des aliments survitaminés. Voilà, et ils étaient tous emballés par leur projet. Ce que j'aimerais souligner simplement pour revenir à ces personnes du concours iGEM, effectivement, il y avait deux personnes qu'on a rencontrées. L'une travaillait sur la malnutrition en Inde en produisant des produits survitaminés. L'autre travaillait sur un traitement contre le mildiou de la vigne dans le sud de la France. Il y a un intervenant qui a posé la question, mais s'il y a de la malnutrition en Inde, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons politiques de mauvaise gestion des richesses. Et pour le mildiou de la vigne, on lui a opposé le fait que c'était peut-être la pauvreté
génétique de la vigne qui était la raison de cette grande fragilité à cette maladie. Ils n'ont pas vraiment répondu. La seule chose qu'ils ont répondu, c'est effectivement, c'est cool de manipuler le vivant, c'est cool. Mais sinon, sur le fond, sur la question du fond, il n'y avait pas eu de réponse. Donc voilà. Moi, j'aurais une question sur la forme. On a prononcé les mots pédagogie innovante et j'aimerais bien savoir comment les étudiants ont ressenti en fait cette forme d'enseignement. En fait, on a commencé par se plonger réellement dans le sujet, donc 3 semaines intensives. On a, si j'ose dire, bouffé de la biologie de synthèse. Et ensuite, ça nous a permis vraiment d'être dedans et de permettre de créer des personnages. Et ensuite, on a créé une histoire à partir de ces personnages, en essayant de créer des interrelations entre eux. Et du coup, c'est assez particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, où on peut nous demander des dossiers, des exposés ou des devoirs sur table. Et du coup, ça permet d'apprendre beaucoup de choses finalement dans des contextes différents. On est allé à un congrès, par exemple, à un colloque sur la biologie de synthèse. Donc, on a assisté à des conférences en anglais sur des trucs qu'on ne comprenait pas. Enfin, c'était une expérience assez inédite. Et du coup, là, on a plusieurs volets parce qu'on était obligé d'avoir des personnages qui soient assez fournis, qui soient renseignés, qui, du coup, sont intéressants. Et ça nous amène à creuser les choses énormément en profondeur et à s'intéresser à des sujets. Moi, je ne connaissais pas le terme de biologie de synthèse avant de recevoir le sujet. Donc, c'est un bon moyen, je trouve, de faire autrement et d'apprendre sans vraiment s'en rendre compte. Parce que finalement, ça nous forge beaucoup. Et ça forge aussi, je pense, le côté éthique pour la suite. Pour nos études de journalisme scientifique, je pense que ça nous aide dans le côté aller toujours plus loin et dans le côté réfléchir un peu à toutes les implications qu'il y a entre science et société. Et puis c'est cool. Justement. Et alors, à quand le gène pour apprendre à parler anglais ? Je voudrais aussi ajouter qu'on a quand même été vachement bien encadré. Donc j'ai passé pour la lèche-botte de service, mais notre professeur là-bas a dormi aussi peu que nous. La deuxième chose qui était vraiment bien, c'est que au final on a vraiment commencé par ça. C'est-à-dire qu'on est rentré le 4 septembre, le jour même, on a déjà commencé à bosser dessus. Il faut savoir que si au départ on se connaissait pas du tout, donc on a dû très rapidement se débarrasser de toutes sortes d'inhibitions pour jouer la comédie, apprendre à rire pour de faux devant des personnes qu'on ne connaissait pas. Et ça aide. Et la plupart d'entre nous n'avaient jamais fait de théâtre non plus. Donc même le fait d'être là, de se lâcher, de jouer quelqu'un qui est parfois très différent de la personne qu'on est, ça aide toujours et ça nous permet de nous débarrasser de toutes ces inhibitions qui peuvent peut-être être là quand on présente un exposé ou quand on fait un oral, etc. Donc ça a été aussi très formateur et ça a aussi permis d'apprendre à partager avec des personnes qui ne pensent pas forcément pareil que nous. Je pense pas forcément la même chose que nous. Et voilà. Et du coup, je voulais juste ajouter qu'on était totalement libres. On a vraiment choisi nos personnages, on a créé l'histoire toute seule et ça aussi, c'est cool. Voilà. En gros, c'est cool. Voilà. Juste un remerciement pour bien sûr Frédéric Tournier et puis aussi pour Thierry qui est homme de théâtre et donc qui nous a vraiment beaucoup aidé à travailler nos personnages encore plus en profondeur. Donc c'est vraiment une coopération double, Frédéric et Thierry, donc merci beaucoup. Bon, c'est gentil, mais c'était pas ça la question. Et je vais passer la parole à Fabienne Marion là, qui voulait poser une question, mais j'en profite, Fabienne travaille à Up Magazine et j'en profite pour dire, vous avez vu
Il y avait une annonce sur le Festival Vivant pour dire que ce spectacle, tout ça, est lié à un gros bazar qui s'appelle Cinénergène et la construction d'événements, le Festival Vivant en particulier. Donc je la remercie d'être là en lui passant le micro. Merci Frédéric. Bravo à tous, déjà pour commencer. Mais avant d'être des acteurs d'un soir, même si vous avez travaillé très profondément votre sujet, moi j'ai une question essentielle à vous poser. Vous êtes avant tout des étudiants en biologie. Alors, vous avez été dupe, vous êtes dupe, vous n'êtes pas dupe. C'est quoi, en fin de compte, aujourd'hui, votre réaction face à tout cet univers de la biologie de la biologie de synthèse? Comment vous réagissez individuellement? On n'est pas tous étudiants en biologie à la base déjà. Donc, mais après, ça n'empêche pas non plus de se forger une opinion, surtout qu'on arrive avec un regard neuf sur la discipline. Et déjà, la chose qui est assez intéressante, c'est que la biologie de synthèse, c'est même assez flou. Il y a un rapport européen qui a été sorti il y a quelques mois maintenant, où qu'ils ont trouvé environ une trentaine de définitions différentes de biologie de synthèse. C'est-à-dire que même les experts ne savent pas vraiment comment la définir. Donc il y a vraiment une frontière très nébuleuse entre qu'est-ce qu'est la biologie de synthèse, qu'est-ce qu'on n'est pas. Et rien que ça, c'est vraiment une volonté aussi d'acteurs de la recherche qui c'est vraiment compliqué à définir. Est-ce qu'il y a vraiment... C'est difficile à dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un exemple d'une entreprise américaine qui a commercialisé une lessive récemment, qu'il avait intitulée « Faite par la biologie de synthèse ». On était très très fiers. Puis ça a suscité quelques inquiétudes. Du coup, ils ont rebrandé leur lessive en « Faite par de la fermentation de levure ». Donc voilà, je pense qu'il y a aussi la volonté politique derrière, c'est de ne pas inquiéter trop les gens aussi et d'utiliser un nouveau terme et du coup qui crée des éléments de controverse dessus, c'est aussi ça. Et voilà, quelqu'un veut dire quelque chose d'autre parce que j'ai plus rien à dire là. Du coup, je ne connaissais pas votre formation, donc apparemment c'est sur le journalisme et il y en a qui pourraient devenir journaliste scientifique, si j'ai bien suivi. C'est ça, c'est génial. Alors, donc c'est bon, j'ai vraiment une question. Ça va. Parce que je suis assez friand de plusieurs journalistes scientifiques et en même temps, ça me semble être un travail compliqué parce que quand il y a une controverse qui explose, si c'est un sujet sur lequel ils n'ont pas déjà travaillé au préalable, ils vont être obligés d'assimiler un certain nombre de connaissances très rapidement pour pouvoir les traiter, les vulgariser et les rendre communicables au public en quelque sorte. Et il y en a qui le font très bien, d'autres qui le font moins bien, c'est normal. Et alors du coup, là, vous avez eu 5 semaines, si j'ai bien saisi, pour traiter le sujet. Bon, je sais pas si dans vos carrières respectives, vous aurez toujours 5 semaines pour traiter le sujet. C'est-à-dire que quand le nouvel op sort, oui, les OGM sont des poisons, boum, avec un papier qu'ils ont eu en exclu, et là, vous avez 48 heures pour pondre un article. Quoi. Enfin, comment vous le... Enfin, cette première expérience, ça vous a peut-être donné un aperçu. Comment vous sentez que vous pourrez... assimiler, gérer ces infos, parce que quand on fait de la recherche, moi je commence à peine en thèse, je suis aussi jeune que vous, on a toujours une trouille bleue quand on a des journalistes qui publient sur notre spécialité, on se dit oh là là, j'espère qu'il a compris mon sujet parce que sinon il va dire des contresens, ça va être l'horreur. Ouais, et des fois c'est très bien fait, des fois ça l'est pas, enfin voilà, c'est... J'ai envie de dire qu'on est un peu déjà des journalistes en herbe, enfin apprentis journalistes, et je pense que la réponse, ça pourrait être qu'on peut commencer déjà à travailler avec des chercheurs, à s'intéresser à ce qu'ils font, et du coup on commence à se constituer un petit réseau de contacts pour pouvoir justement rebondir et aller interviewer au moment où le Nouvel Obs sort cette demande d'article ou je ne sais pas. Voilà, activer son réseau. Donc ça, c'est un petit peu le off. On vous donne un peu nos, nos billes, mais voilà, enfin, c'est l'idée du réseau est vraiment très importante pour un journaliste. Après, là aussi, on avait 5 semaines, mais l'objectif, c'était de balayer un maximum de choses dans la biologie de synthèse. Quand on a un article à faire, ça va être beaucoup plus précis. Donc, il y aura sûrement des spécialistes plus adéquates que nous, le travail de recherche qu'on a dû faire au cours de ces 5 semaines. Donc,
pense qu'il faut aussi prendre ça en compte en termes de travail qu'on doit faire derrière. Et puis nous, on a fait une pièce de théâtre derrière. Voilà. Alors, dans le sens de la question posée par Tristan Berger, vous êtes donc des journalistes en herbe, disiez-vous. Est-ce que sur un sujet comme la biologie de synthèse, dont le statut, les définitions n'est pas stabilisé, hein, est-ce que vous avez quand même, pour certaines ou certains d'entre vous, quelques idées sur la manière de construire une controverse à propos de ce domaine-là? Est-ce que ce que vous avez fait pendant 5 semaines vous porte à avoir quelques idées sur la construction d'une controverse sur la biologie de synthèse? Excuse-moi. Un premier élément de réponse, ce serait de se mettre complètement à la place de ceux qui pensent l'inverse de ce qu'on pense, quoi. Parce que c'est vraiment ce qu'on a fait à nos personnages. On ne devait pas prendre des personnages qui pensaient la même chose que nous, au final. On devait vraiment se plonger dans des arguments inverses ou qui nous intéressaient, mais qui n'étaient pas notre point de vue. Je ne comprends pas tout à fait ta question. En fait... Non, mais dans le sens, est-ce que eux n'ont pas à construire de controverses, ils ont à repérer des controverses à travers les lectures d'articles, de revues, et enfin, tout un éventail de littérature sur le sujet. Ils ont comme objectif de les repérer. Elles peuvent être de nature purement scientifique. Là, on est dans la controverse scientifique pure. Pas très facile à mettre en évidence sur la biologie de synthèse, finalement. Et puis, tout de suite derrière, on a des controverses sociotechniques, des controverses sociétales. Et là, évidemment, on a ce qu'il faut. C'est vrai pour beaucoup de sujets. Tu vois, c'est pas tant de la construire que de la détecter, de la repérer et de voir d'où elle vient et comment elle est née. C'est plus ça leur travail. Oui, au final, c'était du repérage. Mais il faut tout repérer, y compris ce... qui n'est pas notre point de vue, quoi. Juste un point à propos de controverse. Donc, il y a quand même un point que vous y faites très vaguement allusion, vous ne le traitez pas. La biologie de synthèse fait des OGM. L'aspect OGM n'a pas été vraiment traité. Bah après, les OGM, c'est assez connu, on en a beaucoup parlé dans les médias et on ne voulait pas assimiler forcément OGM et biologie de synthèse parce qu'on ne voulait pas que ça se réduise à ça, sachant que ça avait déjà été traité et que notre sujet, c'était vraiment plus large. Dans la biologie de synthèse, il y a d'autres choses que les OGM. Donc du coup, on avait déjà beaucoup de choses, les biocarburants, la médecine, tout ça. Donc c'est vrai que c'était un parti pris peut-être de ne pas... aborder ce côté-là, quoi. C'est vrai que 5 semaines, c'est court, alors les OGM, c'était un peu trop facile pour nous, quand même. Et puis aussi, l'OGM est un sujet de société qu'on discute depuis de nombreuses années maintenant, qui n'est pas réglé, c'est vrai. Mais je pense que le fait que le thème soit vraiment biologie de synthèse, c'est vraiment introduire une nouvelle rhétorique. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de... La biologie de synthèse, ce sont deux mots qui sont mis ensemble depuis peut-être moins de 10 ans, j'imagine, qui commencent à sortir de plus en plus. C'est vraiment non plus de se concentrer sur cet aspect de nouveauté qui n'est plus que l'OGM. L'OGM, aujourd'hui, tout le monde a un avis dessus, même si personne ne sait ce que c'est vraiment. Ou... Alors que la biologie de synthèse, personne ne sait ce que c'est, donc personne n'a d'avis dessus. Et... Voilà, donc c'est à nous de nous forger un avis, et après, ensuite, en créer cette pièce pour vous donner des pistes de réflexion pour la suite. Il y a d'autres questions? Je suis sûr qu'il y en a plein. Allez-y. Vous avez déjà trop soif et trop faim.
Non, sinon, j'ai une ou deux petites remarques sur justement les dernières questions qui ont été posées. Sur le journalisme scientifique, pour le pratiquer depuis 20 ans, justement, en effet, on n'a jamais vraiment trop le temps de creuser un sujet. Et quand bien même on y aurait passé un mois ou deux, quand on a en face de soi un chercheur hyper pointu qui a passé toute sa vie à travailler sur une question qui est tellement pointue que même son voisin de paillasse ne peut pas parler des recherches de son voisin parce que c'est de plus en plus spécialisé, ça oblige et à une certaine humilité, évidemment. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver de haut en disant « Mais attendez, moi, je vais vous trouver une controverse et vous allez comprendre que j'ai tout compris au sujet voilà, en potassant un petit peu. » C'est au contraire, ça amène une certaine humilité. Et cette façon de problématiser les choses sous forme de controverse, c'est assez français comme mode de fonctionnement. Les médias fonctionnent beaucoup sur ce ressort, en voulant toujours s'appuyer, les pour, les contre, quel camp vous prenez, etc. C'est assez typique. Voilà. Pardon ? Non, il y a la polémique, je comprends bien, il y a la polémique, mais ensuite le fait d'articuler ça, j'ai bien compris votre distinction, et en effet, on voit bien que le vocabulaire est chargé, mais justement, quand même, le fait de présenter ça avec des arguments, quand même, qui sont plus ou moins contradictoires, plus ou moins opposés, ou peut-être, alors moi non plus, peut-être, j'ai pas compris votre question, peut-être, c'est possible. Voilà. Un petit mot encore, parce qu'il y avait une réflexion aussi sur AIGEM qui finalement a beaucoup marqué les esprits, ou non, peut-être. Un petit peu AIGEM, mais c'est pas grave. Non, c'est des détails techniques. En fait, oui, le projet sur les têtards, il a été fait à Évry, donc je l'ai suivi de près. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques en fait, mais ce qu'ils ont fait en fait, ça dépasse pas ce que une entreprise de biotechnologie fait à Évry sur des têtards, où là c'est parfaitement réglementaire et où ils utilisent des têtards pour détecter des polluants dans les eaux. Donc en fait, ils se sont pas mal calqués sur ce qu'avait le droit de faire cette entreprise pour faire ce qu'ils ont fait. Voilà. Bon, je voulais juste les défendre un peu. Et le philosophe. Bon, c'est vrai qu'il s'est heurté quand même à des choses qui l'ont surpris, je pense, mais il a quand même fait réfléchir les étudiants. Moi, j'en ai été témoin. Et en fait, ils n'ont pas tranché, c'est-à-dire qu'il y avait les pour utiliser les têtards et les contre au sein de l'équipe des biologistes eux-mêmes hein, ou des informaticiens, puisque IGEM, c'est des mélanges de spécialités. Donc, il a réellement joué son rôle de... voilà, de comment dire. Enfin, il les avait vraiment fait réfléchir, quoi, je veux dire, là. Vraiment, il y a eu. C'était pas juste sur le papier, on a fait un peu d'éthique. Non, vraiment, il y a eu un réel travail. Voilà, je voulais les défendre un peu. Et sinon, juste dire aussi, plus généralement sur IGEM, c'est vrai qu'ils ont l'air d'être. Ceux des étudiants enthousiastes, motivés, un peu. Voilà, qui veulent faire du cool, qui font des projets un peu attirants, un peu. Voilà, ce qu'ils appellent eux-mêmes sexy. Mais par exemple l'arsenic, le travail sur l'arsenic, je ne sais pas là, si l'entreprise dont parlait M. Weisenbach, c'est vraiment complètement directement lié à l'équipe IGEM, mais il y avait une équipe IGEM qui avait développé ce projet de détecter de l'arsenic dans les eaux. Il y a des projets après qui donnent vraiment des réelles applications, on ne va pas dire encore, c'est pas encore au stade d'application, mais il y a des choses sérieuses aussi, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça. Bien, je crois qu'il faut qu'on mette un terme. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vous demande, dans la mesure du possible, ça doit être rapide, de remplir le questionnaire. Vous avez peu avoir pu ou voulu poser des questions. Le petit questionnaire qu'on vous a donné va nous permettre d'aller plus loin, d'avoir des avis divers, de faire un peu la part des choses. Et puis, avant, pendant ou après le questionnaire, je vous invite à rejoindre le fond de la pièce. Les étudiants de deuxième année, ceux qui étaient au charbon l'an dernier, eh bien, nous ont préparé à boire et à manger. Bonne fin de soirée, merci beaucoup à tous.